Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, Dimash Kudaibergen, un de mes chanteurs préférés, va nous interpréter le titre SOS d'un terrien en détresse. Donc aujourd'hui pour Dimash, c'est une double difficulté. Premièrement, il va chanter en français, donc pas facile. Et ce titre est extrêmement difficile à chanter. Effectivement, Daniel Balawan, chanteur français, a déjà chanté SOS d'un terrien en détresse. Et c'est vraiment une chanson compliquée. On chante bas, on chante haut. Donc, difficile. Donc, je suis impatient de découvrir aujourd'hui Dimash sur ce titre-là et de voir ce qu'il va nous proposer. Alors, n'attendons pas plus longtemps et découvrons Dimash. C'est parti! Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Déjà l'introduction, la présence, sublime. Il a une voix effectivement incroyable. Des aigus qui sont splendides. Il chante là, juste en introduction, il chante doucement. On entend juste une petite musique derrière et c'est déjà sublime. Waouh! Mais quel chanteur! Ouh! Voici le SOS d'un terrien en détresse. Chez Jésus, pierre sur terre. Que dire déjà? Une chose importante, c'est déjà le français. C'est parfait. Je ne veux pas maintenant exagérer, mais on a l'impression que c'est un Français qui chante. Vraiment, c'est magnifique. Maintenant, il a déjà commencé avec une note grave et une montée en aigu qui est tout juste hallucinante. C'est hallucinant, incroyable. Quel chanteur, waouh! Ces aigus, mais c'est inimaginable, je sais pas d'où est-ce qu'ils sortent ces notes-là. Mais c'est exceptionnel, mais quel chanteur, waouh! Là, je pense que le public français va découvrir un chanteur d'exception. Ils vont être étonnés, attention, ils vont être étonnés. Waouh! Jeu de jour. Vous avez entendu cette montée de notes? Je pense, honnêtement, que c'est le seul qui est capable de chanter comme ça. J'ai entendu Daniel Balawan. Effectivement, c'est un chanteur qui avait une voix magnifique et qui a maîtrisé ce titre-là parfaitement. Mais aujourd'hui, Dimash nous fait quelque chose d'exceptionnel. Attention, incroyable. Waouh! Les bons dessinés, j'ai comme nos zombies, tu mets à ma cause, je sens quelque chose. Vous voyez, le français il est parfait, c'est sublime, en plus son timbre de voix, il est exceptionnel, et ce mélange là fait que ça donne une chanson incroyable, j'ai des frissons dans tout le corps, tellement c'est beau à regarder, tellement c'est beau à écouter. Waouh, vraiment aujourd'hui c'est une réaction, une de mes plus belles réactions. Waouh. Qui m'a dit, qui m'a dit, qui m'a dit, voilà. On va le dire de l'univers. Là, cette montée de notes, de toute façon, je suis sûr que dans le public, les gens, ils ont pas compris. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'un chanteur est capable
de donner des notes pareilles. C'est tout juste impensable. On n'y croit pas. Et pourtant, c'est la réalité. Dimash a une voix top. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Techniquement, c'est tellement difficile à faire. Et lui, il se promène sur la chanson. C'est ça. Il se balade avec une facilité déconcertante. On n'arrive pas à comprendre, on essaye d'analyser. Ben non, il n'y a rien à analyser. C'est le meilleur. C'est tout. C'est simple. C'est le meilleur chanteur. Voilà. Waouh! Oh là là, incroyable. J'ai des frissons, il faut que je... Regardez, honnêtement, c'est incroyable, j'ai les poils qui se dressent complètement sur le... Waouh! Une note? Je ne sais même pas ce que c'est comme note. Ça a monté, et puis encore, et puis encore. Et d'un coup, on est arrivé à une note. Je ne sais pas s'il y a d'autres chanteurs qui sont aujourd'hui capables de produire une note pareille. Honnêtement, je ne sais pas. Et même dans les parties basses, il est en train de dégager une émotion qui est sublime. Il chante doucement, ce qui est aussi difficile. Bien sûr, monter dans les notes, c'est difficile. Mais chanter doucement comme ça, c'est très, très, très difficile. Et il y arrive parfaitement. Une technique, waouh, incroyable. Je coupe juste avant d'avoir cette accélération où je veux profiter un maximum parce que je connais effectivement la chanson. Parce que là, je suis sûr qu'il va nous faire quelque chose d'exceptionnel. Donc je me prépare bien à ce moment-là parce que ça va être magique. Vraiment, alors, ensemble, écoutons maintenant cette montée de notes et cette puissance qui va sortir. Là, que voulez-vous dire là-dessus? Il monte, on dirait qu'il ne va pas s'arrêter. Je ne sais pas comment il fait pour maîtriser ce titre-là qui est tellement, tellement difficile à interpréter. Et c'est tout juste magnifique, c'est splendide. Quel chanteur! Vraiment, je pense que le public, aujourd'hui, en France, a découvert un chanteur d'exception. Waouh! Là, en fin d'extrait, là, cette montée en... C'est comme une promenade. C'est ça qui est exceptionnel avec ce chanteur. C'est comme une promenade dans les notes. Il se balade sans donner d'effort. Enfin, on a l'impression, quand on le regarde, qu'il n'y a aucun effort qui est fourni. Il fait ça naturellement, avec une facilité. On n'arrive pas à comprendre comment il arrive à chanter pareillement. C'est tout juste exceptionnel, exceptionnel. Dans la foi,
Eh oui, vous pouvez applaudir parce que c'est une prestation magistrale. Voilà. Il n'y a pas à comparer avec Daniel Balavoine qui avait une version, sa version. Là, il y a la version d'Image Kudaibergen, mesdames et messieurs, sur le titre SOS d'un terrien en détresse. Vraiment, c'était le must. On peut pas attendre mieux d'un chanteur parce que là, c'est vraiment c'est le niveau, il est là. Et rien à dire d'autre, c'est tout juste magnifique. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez, abonnez-vous pour découvrir d'autres réactions de Dimash. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, bye!